Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, une tour uniquement avec 4 cartes. Vous allez voir, c'est très sympa, ça fait travailler un petit peu les techniques, vous l'aurez toujours sur vous. Perso, moi j'adore. Comme d'habitude, la démo suivie des explications. Et avant que j'oublie, bonne année. Et oui, on est en 2023, ça y est. Une nouvelle année avec vous, remplie de magie. J'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, moi je serai là. Bref, je vais pas vous parler 2 heures, je vous laisse avec la démo de ce petit tour vraiment très sympa. Et on se retrouve derrière pour les explications. Allez, c'est parti. Hop hop hop, restez concentrés et surtout essayez de suivre, ça se fait uniquement avec 4 cartes. Regardez bien, surtout ne vous focalisez pas sur les jokers mais plutôt sur les rois. Les rois, c'est les 2 cartes que vous allez devoir suivre tout au long du tour. On va les prendre, les placer sous les jokers. Et pourtant, en claquant des doigts et en appuyant sur le bouton, ils peuvent remonter sur le dessus. Je vous ai déjà perdu, on va le refaire plus lentement, regardez bien. 1 et 2 rois qu'on met sous nos jokers. À peine insérés, on appuie dessus, les rois repassent par-dessus. On va en enlever un qu'on va mettre ici, le second par-dessus, en main on garde nos 2 jokers. Regardez bien, les jokers par-dessus les rois, on égalise le tout. Si on appuie sur le bouton en claquant des doigts, croyez-le ou non, mais les rois repassent de nouveau sur les jokers. On va le faire avec le roi de pique, on en laisse un ici, regardez bien. Le roi de pique de la même façon, on l'insère sous les jokers et pourtant en appuyant sur le bouton et en claquant des doigts, eh bien, croyez-le ou non, mais le roi de pique remonte à chaque fois. Les rois avec les rois, les jokers avec les jokers, pourtant si on fait juste ce petit ceci, et oui, les rois reviennent dans la main parce que les jokers maintenant sont sur la table. Et bien entendu, on a bien en main uniquement 4 cartes, 2 rois, 2 jokers. Alors c'est plutôt pas mal. On se retrouve pour les explications. Alors pour ce faire, vous allez avoir besoin de 4 cartes de dos identiques et surtout 2 jokers identiques et 2 rois, donc pique cœur par exemple. Vous placez les rois comme ceci et les jokers par-dessus. Et là, vous êtes prêt pour commencer. Vous arrivez ici, vous retournez l'ensemble et vous expliquez que vous avez uniquement 4 cartes comme ceci. À ce moment-là, regardez bien ce qui va se passer. Vous allez prendre l'ensemble comme ceci en beadle et vous allez faire une boucle. Donc, vous allez venir avec la main gauche, boucler en fait la dernière carte pour pouvoir peler avec le pouce le joker et en même temps la dernière comme une seule carte, comme ceci. Je vous remonte, vous êtes en beadle, vous posez ici, vous mettez les doigts par-dessus, vous bouclez, ça vous aide à dégager la dernière. Et avec le pouce, vous tirez pour montrer, comme si c'était une carte, vous montrez les jokers de cette manière et ensuite vous reposez le tout par-dessus. Encore une fois, hop, on vient, ne vous focalisez pas sur les jokers, mais plutôt sur les rois. Quand vous avez fait ça, vous retournez l'ensemble et là, ça va être un jeu de levée double. Vous retournez comme ceci la main, comme ceci, vous retournez la première, roi, et là, vous bouclez la dernière carte pour faire une levée double. Hop, comme ceci, ça présente les rois. Vous rebouclez pour faire de nouveau une levée double et ensuite, celle-ci par-dessus. Vous récupérez les 2 cartes, vous mettez en dessous, vous égalisez, et là vous faites la même chose en claquant des doigts, vous retournez la première, et là vous faites une levée double en bouclant de nouveau, vous bouclez, vous retournez 2 cartes, hop, on a les 2 cartes qui sont remontées. Vous rebouclez, vous refaites la levée double, comme ceci, vous prenez celle-ci, vous posez sur la table, celle-ci vous la retournez, à ce moment-là vous venez faire un comptage optique, 1, 2, quand vous faites le comptage optique, vous vous posez et vous posez par-dessus. Vous récupérez. Pour les spectateurs, dans la tête, vous avez mis les jokers par-dessus. Et là, en réalité, non, puisqu'on a un décalage à chaque fois. Vous pouvez retourner de nouveau la première. Hop, c'est un roi. Vous bouclez pour faire une levée double. Ça montre encore un roi. Vous la retournez de nouveau. Vous la posez, vous l'écartez de nouveau comme tout à l'heure. Vous revenez avec celle-ci que vous retournez. Là, vous bouclez, vous prenez la double que vous mettez en dessous. Donc, dans la tête des spectateurs, vous prenez le roi, vous mettez sous les jokers. Claquez des doigts, vous refaites une levée double pour montrer qu'elle est remontée. Vous refaites une levée double de nouveau et vous posez par-dessus. Et vous finissez ici comme ceci en retournant pour montrer qu'ils sont revenus dans les mains. Et ici, ce sont les jokers. Donc voilà, c'est vraiment un jeu de levée double à chaque fois, avec un décalage, uniquement avec 4 cartes. Je vous remonte l'enchaînement une dernière fois. On est comme ceci, on est prêt. Donc dans l'idée, c'est ne vous focalisez pas sur les jokers, mais plutôt sur les rois. Levée simple, levée double. On retourne, on dégage les 2 premières qu'on met en dessous. Claque des doigts, levée simple, levée double. On retourne de nouveau. On peut mettre en dessous, encore une fois. Claque des doigts, levée simple, levée double, c'est remonté, on retourne, celle-ci on la pose, et celle-ci on la pose aussi par-dessus, optique, et on pose par-dessus, on récupère, levée simple, levée double, on pose, levée double, enfin on prise double, qu'on met en dessous, claquement de doigts, levée double,
Levé double. On pose. Geste magique. Ça remonte. Elles sont là et on peut tout laisser à l'examen. Voilà une petite routine de double ambitieuse. Vraiment, c'est plutôt sympa. Ça peut perturber un petit peu au niveau des magiciens, même qui connaissent un peu les levées doubles. Mais voilà, c'est plutôt joli. Ça se fait avec 4 cartes. C'est totalement impromptu. Privilégiez les deux cartes identiques parce qu'à un moment, on a un comptage optique. Comme ça, avec les deux jokers, ça passe nickel. Sinon, les deux autres cartes, des cartes figures, des as, ce que vous voulez, ça marchera aussi. Donc voilà, ça va vous permettre de travailler justement les levées doubles très proprement. Donc voilà, si vous savez pas faire des levées doubles, entraînez-vous, surtout avec des petits paquets. Le secret, c'est vraiment de savoir boucler la carte. Hein. Vraiment boucler la carte, ça vous facilite la chose pour faire une levée multiple. Donc voilà, vous vous embêtez pas à aller chercher les brisures comme ça, vous perdez du temps. C'est vraiment quand vous avez trois cartes en main, on a le petit paquet, on boucle et on ramène. Donc voilà, si vous ne connaissez pas cette technique, la boucle, allez sur mon école de magie, tutomagie.com, vous apprenez la boucle, vous verrez, je vous la prends en détail, et vous l'appliquez tout bêtement, ça facilite la chose. Et du coup, quand on a quatre cartes, l'idée c'est de venir, on retourne celle-ci, vous voyez, je ne viens pas la retourner comme ça, je viens avec la main comme ceci, je retourne, hop, et ensuite je boucle. Et du coup, j'ai les doigts pour prendre la carte très facilement pour faire une levée double. Et franchement, c'est très naturel et ça passe très 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 bien. Donc voilà, travaillez ça, allez voir mon école de magie si ce n'est pas encore fait pour vous perfectionner dans les techniques et mettre en pratique tout ça à travers des tours expliqués. N'oubliez pas de vous abonner, merci à tous ceux qui souscrivent à Tuto Magie Premium, ça me fait chaud au cœur et ça m'aide et ça me soutient à vous présenter des nouveaux tours chaque semaine. Si vous avez aimé la vidéo, le pouce bleu, le petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette routine, ça fait toujours plaisir à lire, je les lis tous. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.